matin, un couple de touristes se promenant dans la ville de Noosa fait une découverte pour le moins inattendue. Une jeune femme est étendue, entièrement habillée, comme si elle dormait. Mais ses blessures révèlent une toute autre histoire. Et dans cette affaire, la police scientifique va devoir innover en matière de preuves. Il ne se déplace pas tout seul. Il doit être transporté par quelque chose. De preuves pour inculper un meurtrier des plus astucieux. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? On a besoin de preuves solides pour pouvoir accuser quelqu'un de meurtre. Ça ne colle pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On savait tous que c'était lui. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle émission inédite. Dans une enquête criminelle, les premières 48 heures d'investigation sont toujours décisives. Et cette affaire ne fait pas exception à la règle. Dans un premier temps, les enquêteurs ont l'impression que le suspect a commis un crime parfait et qu'il va leur être impossible de le confondre avec des preuves matérielles, à moins que l'extraordinaire diversité des espèces végétales créées par la nature ne leur vienne en aide. J'ai reçu un appel me disant que le corps d'une jeune femme avait été retrouvé morte au milieu des arbres, près du parking de Noosa, à seulement quelques mètres des voitures. La végétation de la zone était très dense. Il y avait beaucoup d'arbres, notamment des acacias. Elle avait visiblement subi des violences physiques. Il y avait des marques autour de sa gorge, de ses joues et de ses yeux. Le corps a été découvert par des vacanciers aux environs de 8h30, étendu au milieu des arbres à seulement quelques centaines de mètres de la plage. La police déclare que le corps se trouve là depuis le début de la matinée au plus tôt. La jeune femme a apparemment été frappée et étranglée. C'est une des premières destinations touristiques d'Australie, pour ne pas dire du monde. Et il y a eu un crime d'une extrême violence. Le plus choquant, c'est le contraste entre l'intention claire de faire du mal à la victime et le cadre idyllique de la scène du crime. Pour expliquer pourquoi la victime s'est retrouvée là, on explore tous les scénarios possibles. Est-ce qu'elle y est allée de son plein gré? Est-ce qu'elle a été attaquée sur la plage? Est-ce qu'elle a été agressée dans la ville ou est-ce que son corps a été abandonné là? La ville de Noosa est très touristique. Elle a pu rencontrer son assassin après être allée en boîte de nuit. Elle a pu aussi sortir en ville pour la soirée, rencontrer quelqu'un et un incident tragique est arrivé juste à côté de l'endroit où son corps a été découvert. Toutes sortes d'hypothèses nous passent par la tête pour expliquer ce qui s'est passé. Et on ne peut évidemment en écarter aucune. Pour commencer, on devait rassembler toutes les preuves présentes sur les lieux et protéger la scène du crime pour que la police scientifique puisse mener son enquête. On a enveloppé et attaché ses mains dans des sacs pour que le légiste puisse vérifier s'il y avait des résidus sous ses ongles ou sur ses doigts. On a utilisé des bandes adhésives sur le corps et les vêtements pour prélever des fibres ou des cheveux appartenant peut-être à son agresseur. Examiner la scène de crime est une partie essentielle de notre travail. Pneus, empreintes, tout ce qu'on peut trouver. C'est un endroit recouvert de sable et c'est un environnement où relever des empreintes s'avère parfois difficile. Mais étudier la scène de crime est vraiment quelque chose de très important. Les enquêteurs relèvent de nombreuses empreintes de semelles de chaussures le long de la route qui mène à l'endroit isolé où le corps a été découvert. Ils prélèvent également du sable et des feuilles. Si le meurtrier peut être identifié et arrêté, ces éléments permettront de prouver sa présence sur la scène de crime. La priorité était d'identifier la victime. Elle n'avait aucun papier d'identité sur elle, mais elle avait plusieurs tatouages et des piercings aux oreilles. Les prénoms Michael et Corey étaient tatoués sur son corps.
ce qui était bien évidemment une pièce précieuse du puzzle pour découvrir qui elle était. On a communiqué aux médias la description de la jeune femme et elle a été diffusée pour que des gens puissent la reconnaître ou essayer de l'identifier. L'enquête s'est heurtée à un obstacle quand la police a découvert que la victime ne portait aucune pièce d'identité. La jeune femme a entre 25 et 30 ans, il est cheveux bruns à hauteur des épaules. Elle portait un jean rouge, un haut sombre et elle avait plusieurs tatouages. La jeune femme avait également de nombreux piercings aux deux oreilles et une bague en argent en forme de S. Toute personne ayant des renseignements est priée de contacter la brigade criminelle ou la police de Nusa. Après ça, des personnes originaires de la ville de Gympie se sont manifestées. Elles avaient reconnu les tatouages et les piercings. Gympie se trouve au nord de Nusa, à une heure de voiture. J'étais étonnée qu'elle vienne de Gympie. Je pensais qu'elle était d'ici. Je croyais toujours au scénario de la boîte de nuit. Elle était allée en discothèque et s'était fait tuer après. Donc, avec cette nouvelle information, l'enquête prenait un tournant différent. Qu'allait-il se passer maintenant? Qui était cette fille et qu'allions-nous découvrir sur elle? Après avoir lancé un appel à témoins pour identifier la victime retrouvée à Nusa, la police obtient immédiatement une réponse. Des habitants de Gympie pensaient connaître l'identité de la jeune femme décédée. Elles ont fait une description parfaite des tatouages et ils étaient presque certains que le corps qu'on avait retrouvé était celui de Samantha Bodsworth. À ce stade-là, l'identification n'était pas encore officielle. Ils nous ont demandé de venir avec eux à Brisbane pour vérifier si c'était bien notre fille. Mais je pense que d'après la description qu'on avait faite et le corps qu'ils avaient retrouvé, c'était seulement une formalité. Ils savaient très bien que c'était notre fille qui se trouvait à la morgue. Ma tête le savait. Mais mon cœur ne voulait pas y croire. Et dès que j'ai vu que c'était Sam, j'ai eu envie de la serrer dans mes bras. Même si elle n'était plus là, je voulais bêtement essayer de la réchauffer, même si je savais qu'elle était morte. Et elle n'était pas maquillée, pas une trace de maquillage. Elle avait eu un accident de voiture quelques années plus tôt et elle était très complexée à cause de cette cicatrice sur sa joue. Alors c'était vraiment étrange. Elle ne serait jamais sortie sans être maquillée, même pour aller sur le pas de la porte. Cet élément, apparemment anodin, prend une importance particulière aux yeux des enquêteurs. Sachant que Samantha ne se montrait jamais en public sans maquillage. Que faisait-elle la nuit à proximité d'une boîte de nuit et à une heure de route de chez elle? A-t-elle quitté son domicile de son plein gré? Ou l'a-t-elle fait sous la contrainte d'un agresseur? Est-ce que son assassin était une rencontre d'un soir? Je ne sais pas, mais ça ne ressemble pas à Samantha. Elle n'aurait pas fait ça. Ce n'était pas son genre. Elle aimait être avec les gens qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Cory et Michael sont les deux jeunes filles de Samantha Bodsworth. Le soir où celle-ci sort pour ne jamais revenir, ils dorment chez leurs grands-parents. La maison de la victime est maintenant envahie par les experts médico-légaux. À l'entrée de la maison, derrière la porte du garage, on a découvert quelques taches de sang. Après une inspection plus poussée dans toute la maison, on a également trouvé des taches de sang dans la chambre. D'autres avaient été essuyées dans le salon et la salle à manger. Les gens essaient souvent de nettoyer les lieux une fois le crime commis, mais là, le nettoyage était très rudimentaire. Les enquêteurs prélèvent des échantillons de sang et rassemblent les objets souillés dans l'espoir d'y trouver l'ADN de l'assassin. Dans la chambre de Samantha, une bagarre a visiblement éclaté.
On a trouvé un sèche-cheveux avec des petites taches de sang sur le cordon, ce qui laissait penser qu'il avait peut-être été utilisé pendant l'agression de Samantha, soit pour l'enrouler autour de son cou, soit pour la blesser d'une autre façon. Dans la buanderie, il y avait plein de vêtements dans la machine à laver. On les a retirés et ils étaient tachés de sang. Et il y avait un pendentif au milieu des vêtements. C'était un des bijoux préférés de Sam, parce que c'était son oncle de Grande-Bretagne qui lui avait offert. Et c'est une pierre qu'on ne trouve qu'à un endroit précis en Grande-Bretagne. Le plus intriguant avec ce pendentif, c'était que les parents de Samantha nous avaient dit qu'elle ne l'enlevait jamais. Même pour prendre sa douche ou nager, elle le gardait tout le temps. À l'évidence, elle y tenait beaucoup, et pourtant, il s'est retrouvé dans la machine à laver de la maison où on a découvert des taches de sang et des traces de lutte. On a tout de suite vu que quelque chose clochait dans cette affaire. Pourquoi ne portait-elle pas son pendentif? Qui lui aurait enlevé? Où était la chaîne? Il était essentiel de répondre à ces questions pour que l'enquête progresse. Bien que l'entrée de la maison de Samantha ne semble pas avoir été forcée, les enquêteurs retrouvent un pan de fenêtre posé dans le jardin. Et sa voiture n'est plus dans son garage. Pourtant, d'après ses parents, elle y est habituellement garée. Le véhicule ne se trouve pas non plus sur le parking de Nusa, où son corps a été retrouvé. On avait comme indice la scène de crime à Nusa, qui était encore primordiale pour l'enquête, une autre scène de crime potentielle avec la maison, et bien sûr, le trajet entre cette maison et Nusa, qui était plutôt long. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? Tous ces scénarios constituaient autant de pistes à suivre et à explorer pour découvrir la vérité. Pendant l'autopsie, le médecin légiste a déterminé qu'elle était morte par strangulation, ce qui correspondait à ce qu'on avait vu sur les lieux et aux marques qu'elle avait. Les enquêteurs effectuent des prélèvements sous ses ongles. Si Samantha s'était battue, l'ADN du coupable s'y trouve peut-être. On avait de bonnes raisons de penser que les vêtements dans lesquels elle avait été retrouvée à Nusa n'étaient pas forcément ceux dans lesquels elle était morte. La police pense que les blessures de Samantha ont laissé des taches de sang sur ses vêtements. Pourtant, il n'y en a aucune. Quelqu'un a changé ses vêtements, ce qui montre que le criminel faisait tout pour ne pas être retrouvé par la police. On avait le sentiment que Samantha Bosworth avait été tuée chez elle. Le mystère, c'était comment elle était allée de Gympie à Nusa. Mais on n'avait aucun doute sur le fait qu'elle avait été assassinée dans sa maison. Samantha a été agressée chez elle. Puis, son corps a été transporté à 80 km de distance et abandonné près d'un bois d'eucalyptus. Pour quelle raison le tueur a-t-il pris le risque de déplacer le cadavre alors qu'il aurait pu le laisser dans la maison? La découverte du pendentif de valeur prouve d'autre part que le vol n'est pas le mobile du crime. Enfin, le fait que l'assassin ait pris la précaution de changer les vêtements de la victime pour faire disparaître les indices montre qu'il s'agit d'un homme méticuleux qui a prémédité son acte. Tandis que les experts passent la maison de Samantha au peigne fin, son ex-mari, Michael Bosworth, prend spontanément contact avec la police aussitôt après avoir été informé du drame par les médias. Je suis venu voir si c'était bien mon ex. D'accord. Dès que j'ai entendu Michael et Corey, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et vous avez deux enfants avec elle? Oui, j'ai deux fils. Ils s'appellent Michael et Corey. Michael Bosworth a été interrogé au commissariat de Gympie. Il est venu de lui-même. Il pouvait certainement nous aider dans notre enquête. D'une part parce qu'il avait des informations et d'autre part parce qu'il pouvait être considéré comme un suspect. On n'avait aucune preuve et à ce stade de l'enquête, on envisageait toutes les possibilités. Vous connaissiez Samantha depuis combien de temps? On est restés ensemble pendant 11 ans. Vous étiez encore ensemble? Non.
Comment ça se passait entre vous? J'ai commencé à boire et on n'arrêtait pas de se disputer tout le temps. Donc elle m'a demandé de partir. Et j'ai déménagé à l'hôtel.